Bonjour, bienvenue à toutes les batteuses, batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la valse jazz. En complément, sachez que vous pouvez recevoir gratuitement les partitions et mon livre numérique « Faites-vous plaisir à la batterie » qui regroupe tous les conseils que je donne à chacun de mes élèves, à chacun de mes cours. La valse jazz se joue en trois temps. Donc, première chose, je vous propose de jouer à la cymbal ride avec un décompte suivant. Pour chacun des temps, nous allons penser et compter trois croches, hein, donc dans un débit triolé de croches, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il s'agit d'un shabada en trois temps pour justement jouer dans l'esprit valse jazz. Après, je vous propose de rajouter, au niveau des pieds, grosse caisse sur le premier temps et charleston, pied gauche, sur deuxième et troisième temps. Ce qui donnera pour l'ensemble 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En accélérant. Voilà pour la valse jazz, donc un rythme en trois temps. Et très important de savoir le jouer à plusieurs tempos. Vous avez des valses jazz lentes et d'autres rapides. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de bien vouloir cliquer sur le pouce bleu et de bien vouloir bien sûr la partager. En complément, sachez que vous pouvez recevoir gratuitement mes partitions et mon livre numérique « Faites-vous plaisir à la batterie » qui regroupe tous les conseils que je donne à chacun de mes élèves, à chacun de mes cours. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, s'adressera plus particulièrement à des niveaux un peu plus avancés. Là, il s'agissait pour des débutants qui souhaitent découvrir en jazz ce rythme donc de valse jazz. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.